Un qui capitalise plus que les autres sur cet anti-système, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est le plus proche de vous sur l'échiquier politique. Comment vous le voyez? Est-ce que le fait qu'il ait reçu le soutien là, récemment du Parti communiste, ça change la donne pour vous? Est-ce qu'il est anti-système, de votre point de vue? D'une part, on pourrait dire en partie oui, parce que bon, il veut remodeler la République, il veut faire une 6e République, donc il remet en cause pas mal de choses. Mais après, ça, pour nous, ça reste très limité, sa remise en cause du système, parce que il ne remet pas en cause le système capitaliste, il ne remet pas en cause même la propriété sur l'économie des capitalistes. Donc nous, on remet tout ça en cause. Donc on est plus proche de Mélenchon, oui, parce que le fait est qu'il y a un programme, de défense des droits des salariés, des droits de la population, donc un programme de gauche, quoi, au sens classique, un programme celui qui était en gros celui du PS à l'époque de Mitterrand ou dans les années 70, c'est-à-dire pour le progrès social, contre les inégalités. Donc évidemment, on se sent proche, mais en fait, la proximité avec Mélenchon, c'est surtout la proximité avec les militants. Les militants du PG ou les militants du PC, et évidemment le PC vient de, à peu de choses, à 53%, ils viennent de choisir le soutien à Mélenchon, mais donc la proximité c'est surtout celle-là. C'est qu'en fait, autour de Mélenchon, il y a toute une génération de militants qui ont pu être au NPA à certains moments. Mais avec qui qu'on côtoie de fait dans les manifestations, qu'on côtoie au quotidien, dans les syndicats, dans les associations, dans les collectifs de lutte et tout ça. Donc c'est ça la proximité réelle. Mais on a un désaccord profond avec Mélenchon justement parce que... En fait, c'est moins jeu, quoi. Voilà, c'est encore. On nous ressort un truc. On a eu Mitterrand, on a eu Jospin, on a eu Hollande. Et maintenant, il faudrait un nouveau à gauche, un nouveau politicien à gauche qui serait. C'est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Non, la personnalité, c'est secondaire. Mais c'est cette idée qu'on aurait encore un sauveur. Et Mélenchon, il joue cette posture-là. Et donc, en fait, voilà, faites-moi confiance. Lui, pourtant, ancien ministre, quand même, de l'époque de Jospin. Lui, fan de Mitterrand. Lui, fan de Jospin. Enfin, qui remet même pas en cause tout ça. Et donc, c'est ça qui est un problème pour nous, c'est que pourquoi il faudrait faire à nouveau confiance dans un politicien qui a quand même un passé très classique, pourquoi on ferait confiance à ce type-là? Et nous, ce qu'on a envie de poser comme problème, c'est que la vraie rupture, ce serait justement de discuter qu'aujourd'hui, la politique, ça doit être autre chose et que c'est à nous de la faire. Et on n'a pas besoin de suivre un héros ou un sauveur, soi-disant. Et surtout, c'est la remise en cause de toute la politique de la gauche depuis longtemps. Avec Lutte ouvrière, par exemple, pour le grand public, on a du mal à cerner les différences et pourquoi vous êtes chacun de votre côté et pas sous la même bannière de la défense des ouvriers. Non, mais c'est sûr qu'il y a un problème. On a des problèmes. On a nos côtés cons, on a nos côtés boutiquiers ou sectaires qui font que, ça c'est sûr, ça c'est la difficulté qui est... Enfin, c'est les problèmes qui existent, pas que dans l'extrême-gauche. Parce que vous avez dit ce qui vous différenciait de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous n'étiez pas derrière lui? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas avec Lutte ouvrière? Ouais, non, mais voilà, c'est ce que... du point de vue du paysage syndical, il y a des divisions. C'est le problème. Il y a plein d'organisations et il y a une habitude boutiquière et puis ce qui fait que ça donne des choses aberrantes. Et notamment, mais oui, les liens avec Lutte ouvrière aujourd'hui, le fait qu'on aurait très bien pu discuter, au moins commencer une discussion, à voir si on pouvait se présenter ensemble, défendre un programme ensemble, et ça, c'est pas fait. Donc c'est vrai que ça, de ce côté-là, nous, on reconnaît que c'est un problème, cette incapacité qu'on a, nous, de pouvoir au moins travailler ensemble et proposer des choses ensemble. C'est trop tard? C'est trop tard. Là, pour l'instant, oui, visiblement, c'est parti. Il y a 5 mois, pourquoi pas lancer l'appel? Mais ça, après, c'est compliqué, parce qu'il y a des habitudes... ce que je dis boutiquier ou machin, donc voilà, mais ça c'est... Mais c'est pas le même problème qu'avec Mélenchon. Ce Mélenchon-là, on se retrouve... Parce qu'autant avec Lutte ouvrière et Nathalie Arthaud, on se retrouve avec, justement, hors monde politicien, professionnel, et puis du côté de la population et des salariés, ça, il n'y a pas de problème. Avec Mélenchon, on a un autre problème. C'est quelqu'un qui vient du Parti Socialiste, qui a quand même gouverné, qui a quand même attaqué les enseignants du temps où il était ministre. Donc pas de rapprochement au premier tour, c'est exclu. Mais c'est pas que c'est a priori, mais c'est pas crédible. Voilà, c'est que ça serait bien si on pouvait faire des choses différemment, mais là c'est comme ça. Mais au moins l'élection, après l'avantage de l'élection, c'est d'exprimer des idées, une autre perspective. Et donc on sait, on va pas vous dire que on va être élu, on va pas faire comme certains qui sont convaincus qu'ils ont rendez-vous avec le peuple et qu'ils vont être élus. Mais au moins l'élection, elle peut servir à ça, à montrer qu'il y a autre chose politiquement. Il n'y a pas que des idées libérales, il n'y a pas que des idées conservatrices, il n'y a pas que des gens qui sont payés pour tromper en permanence la population. Il y a aussi
aussi des salariés qui essaient d'exprimer autre chose, qui essaient de montrer que c'est important que la population ait son mot à dire et qu'elle puisse parler directement. Parce que nous, ce qu'on nous apprend, et ça c'est le problème de la société, c'est que, voilà, alors Mélenchon, c'est ce que vous dites vous, voilà, Mélenchon, ça paraît très logique qu'on soit derrière lui. Mais pourquoi il faut toujours derrière être un politicien? Pourquoi, à un moment donné, ce serait pas l'inverse qu'il discuterait? 15% dans les sondages en ce moment. Non, mais Mélenchon, il serait moins ambitieux personnellement, parce que c'est ça qui fait poser problème. Parce que là, c'est pas la personnalité de Mélenchon, c'est pourquoi lui, il tient absolument à être là. Pourquoi c'est pas un programme qui est mis en avant? Pourquoi c'est pas une idée, une contestation de la société? C'est lui qui est mis en avant. Et à partir de ce moment-là, ça pose un problème. Parce que nous, ce qu'on aimerait bien discuter, c'est d'un programme politique. Et c'est de quelle issue politique? C'est comment on peut changer tout ça? Et donc, à la limite, la personne, elle est secondaire. Mais non, pour Mélenchon, c'est lui qui est. Donc, c'est la difficulté qu'on a avec lui. On ne peut pas discuter. D'ailleurs, Mélenchon, vous avez vu comment il traite le PC aussi. Parce que là, c'est quand même révélateur. C'est que il dit au PC, ah, mais le PC, il a choisi. Bon, mais il est autonome, il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, il ne négociera rien dans le programme de Mélenchon. Enfin bon.